Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Rétro. Le 49e, le prochain, c'est le 50e épisode de Café Rétro. C'est l'épisode, je crois que je l'avais déjà teasé, c'est l'épisode spécial 1h la semaine prochaine. Et donc du coup, aujourd'hui on repart sur vraiment un jeu classique que j'ai déjà fait. Comme beaucoup de jeux. C'est quoi? C'est une notification. Non, je parle pas de ton portable, je parle de ton du jeu qu'on va faire. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, d'accord. On va être sur Dragon Slayer. Sur Dragon Slayer sur NES. Donc, c'est là que les et sur Super, on va faire les deux versions. Est-ce qu'on fait la version Game Boy? Je l'ai pas. Bon, je pourrais l'avoir après, je pourrais la télécharger. On verra, peut-être bonus, on fera la version Game Boy si jamais le cœur nous en dit. Alors, Dragon Slayer, le jeu de merde de la NES. Il pue la merde ce jeu. Il pue la merde, on est bien d'accord. Nous, on va pas faire comme JDG, aller sur Super NES puis après sur NES. Non, on va d'abord aller sur NES et après Super NES. Est-ce qu'on ferait pas la version arcade aussi? Ah, mais il faudrait un truc de 3DO, non? Ah, j'ai pas d'émulateur de 3DO. Et de plus, j'ai pas d'émulateur de 3DO. Donc, c'est pas grave, nous allons donc aller sur Dragon Slayer et on va pas perdre de temps, allons directement sur le jeu. C'est parti. Bien évidemment, on va jouer avec Maître de NES pour avoir encore plus de plaisir de jouer à ce jeu. C'est parti. Bien. Alors. J'arrive. Je suis à vous tout de suite. On est sur ce putain de jeu de merde, Dragon Slayer. J'entends bien en train d'enlever le sérum des écouteurs. Ah bah c'est dégueulasse, hein. Franchement les écouteurs là, pour reculer, quoi. T'as les oreilles dégueulasses. C'est dégueulasse. Oh bon. le lecteur externe connecté, arrête de nous emmerder là. Bien. Alors, c'est censé marcher. Ça marche. Malheureusement ça marche. Alors, comment on joue? Je sais plus. On se baisse comme ça. On saute avec B, d'accord, très bien. Allez, on est parti, on va se faire chier. Et à ton tour. Donc, on est parti pour un peu rager beaucoup sur ce jeu de merde. Parce que c'est bon, sûr qu'on a déjà fait une vidéo dessus, hein, ouais. Si je me rappelle bien. C'est vrai, on avait déjà fait une vidéo dessus à l'époque. Que je me rappelle, faut faire. Avec cette musique qui est dégueulasse en plus. Ouais, franchement, ouais. Il y a trois notes. C'est qui a fait ça? C'est le mec, il a pris un piano pour enfants play school et il a fait tout 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 tout. C'est Gérard. On retourne ici, on se baisse. Et là, après, voilà, il se lève, on se baisse. C'est la technique. La technique. Ouais, la technique, elle, c'est comme ça. Bah, la technique, elle s'est fait niquer. Je me suis levé trop tard. Hein, t'as compris la blague? J'ai dit la technique, elle s'est fait niquer. Putain, y'a des bugs par contre au niveau de la musique. Je sais pas si t'entends. Non. Non. Ah, je crois qu'on a pris. Non, on n'a pas de game over. Attends, mais on peut jouer à deux joueurs? Bonjour. D'ailleurs, Insta. Bon, on va essayer de le passer, ce putain de ponton, là. Assez calme, vraiment. Ah! Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que tu savais que les animations du jeu original ont été faites par Don Bluth? Qui ça? Don Bluth, un ancien animateur de chez Disney qui a notamment réalisé, laisse-moi réfléchir, Brisbane Superdim, Five Island Nouveau Monde, Anastasia. Attends, quoi? Qui ça? Don Bluth. Et il a fait quoi lui sur le jeu? Ben, il a fait les animations du jeu arcade. Et c'est un ancien animateur de Disney. Ah. Et il a bossé sur... je crois tous les classiques Disney dans les années 70, donc Jean-Bernard et Bianca par exemple, c'est lui qui a bossé. Le premier du coup. Le premier, oui.
Et peut-être d'autres ouais, jeux, je peut-être d'autres. Si tu cherches, tape Don Bluff, ça s'écrit comme ça s'écrit là sur l'écran. D-O-N, et son nom de famille s'écrit B-L-U-T-H. Ah, attends, on va passer ce passage de merde là. Prends la main, je cherche, j'ai trouvé une image de Don Bluff. Ok, je vais réussir à le battre, peut-être. J'attends que tu finisses et je te montre. Ah bah voilà. Je l'ai eu. Et voilà. Là. Et voilà, l'impact n'a pas supporté le changement de température. Voilà, ce dude là, c'est lui. Don Bluff. Ah, okay. Regarde, on voit Dirk là de Dragon Slayer juste à côté. Attends, parce que... J'aurais faut sauvegarder l'émulateur, non? Le petit dinosaure à la vallée des marais, ça dit quelque chose quand même. Tire! Voilà, on l'a eu. Le petit navire est quoi? Le petit dinosaure, ça dit quelque chose quand même. Bon, je te montrerai plus tard. Attends. Merde. Bon, ok. Tiens, à ton tour. Je comprends pas. Alors, la stratégie. La technique, c'est... Il lance deux cailloux et tu peux y aller. Alors là, il faut. Je vais vous montrer un truc, il faut jamais faire l'or de reculer parce que regardez. Le problème c'est que ça, si tu recules une fois. Ah non, j'ai un dit, excuse-moi. Non, c'est pas maintenant, c'est après. C'est parce que moi j'avais le souvenir. Voilà, ça te fait avancer et du coup là tu te fais enculer. Dès que le serpent qui apparaît, tu te casses, tu te dis bon, ok. Regarde, il faut faire comme ça. Ah, je connais même le début du jeu, pas. Enfin, je connais le début du jeu pour comment on le fait en fait. Merde, je vais me faire niquer là. On est bon. Tac. Là, on tire le truc. Voilà. Attention. On est passé. Ah, casse-toi. Alors, mais l'enculé! Là, c'est marrant ce passage. J'ai envie de faire une blague. Tu sais, tu connais la chanson Une souris va être trempée là dans l'huile, ça fera un escargot tout chaud. Ouais. Bah là, c'est plutôt un chevalier dans un château, foutez-le sous des pics, ça fera un escargot. C'est pas un escargot en fait, hein. C'est le mec qui est juste écrasé et qui est tout son corps monté dans son casque. C'est d'ailleurs très dégueulasse, hein. On aurait oui, pu alors, attends, attends, avant que tu relances, tu mettras sur l'image, voilà. Voilà, c'est lui dans le coffre là, donc tu vois Dirk. Dragon Slayer, Anastasia, Frisbee, Fievel, Charlie et le petit dinosaure. Super intéressant. Je te passerai l'image, tu la mettras dans le montage. Allez, let's go. Non! Oh, j'ai failli mourir. Oh, j'ai failli mourir. Allez, niveau suivant. Vas-y, Fer, je peux le faire. Et on va pas faire de. Comment ça s'appelle là? On va pas faire de serveur d'émulateur, ça ne sert à rien. Si on a un game over là, on passera au Dragon Slayer sur Super NES. Je me casse. Tu l'as eu. Bon, mais Gérard, il est où là? Il est parti? Bah, tu l'as tué. Ah non, mais le serpent, je parlais du serpent moi. Ouais, bah, tu l'as tué le serpent. Putain, on se croirait dans Indiana Jones. Ta mère, on se croirait dans Indiana Jones là avec les pics. Ouais. Ou on se croirait dans les aventures de casque, moi je laisse tomber. Et encore, il y avait déjà Indiana Jones qui était bien foutu, hein. Style. Lance-moi pas tes cailloux là. Ou la version My Little Pony de Indiana Jones. Mais non. Putain. Quand même pas qu'à faire mal de S, mais bon, tiens, retour. Tu mettras un bruitage, tu sais, de Roblox à le ouf quand tu tapes la manette. Moi j'y penserai pas, ça sert à rien. Manette, s'il vous plaît. Putain, c'est un jeu de merde, hein. Ah, moi je suis con, moi je me prends une pierre. Moi je suis con, je me baisse et je me prends la pierre dans la gueule.
me prends la pierre. Tu sais à quoi je pense? Pierre. Je suis sûr que là, on la ref. Game over? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ah, je sais pas si on retardera le montage. Je sais pas, on verra bien. C'est un peu du plagiat d'IDG, mais allez, on a rien vu. Prends-toi ça. Voilà. T'es gentil, tu te casses. On est passé. Ah, un peu trop tard. Enfin non, un peu trop tôt du coup, j'ai avancé. Bon bah, game over. Ah bah, très bien. Tu sais ce que j'ai envie de faire avec le Super NES? Viens, on va directement au niveau des mots de passe. J'ai envie de voir l'or que c'est ce... Bon, allez. On passe à Dragon Slayer 2. Enfin, Dragon Slayer sur Super NES, quoi. Bien. Nous sommes donc du coup sur Dragon Slayer sur Super NES. Tiens. Et j'ai envie qu'on commence avec le niveau des mots de passe, juste pour voir à quel point c'est dur ce truc. Ouais, je voulais le faire à la fin au début. Ouais, bah si tu veux, on le fait à la fin. Alors... Les mots de passe! Les mots de passe! Mais attends, c'est que le premier niveau. Le mot de passe! Alors, Easy Sword... Non mais ça on s'en fout de ça. Non! On s'en fout. Oui, si tu veux, mais non, mais c'est pas, on s'en fout de ça. Select. Ah, c'est comme ça. Très bien. Musique, option, password. Off. Allez, start game. Le niveau des mots de passe, on le fera à la fin. Oh. Ça, c'est joli, par contre. Tu vois, c'est une jolie... C'est une cinématique. Non, mais celui-là, il est pas moche, en fait. Il est beau, le jeu, mais par contre, il est abominable. Player 1, start. J'ai pas encore l'occasion de tester le jeu Super NES, mais de ce que j'ai vu, je trouve qu'il a l'air encore plus abominable que la version NES. Ok, alors. Alors, ici, les tomahawks, là, l'épée, là, le saut. Ah oui, c'est ce niveau, on va l'appeler Tom. Pourquoi le niveau Tom? C'est le niveau. C'est le niveau. Ah. Attrape! Attrape! Avec la corde qui n'arrive pas à attraper. La bonne corde qu'on peut pas attraper! Attrape! C'est vrai que ça c'est chiant ça. Ah! Elle est déjà mort, tiens. Ta mère. Va te faire foutre. Toi aussi. Le tonneau. Je pense que c'est parce que donc ta mère. J'allais dire c'est Donkey Kong qui doit habiter dans ce château, ça peut être avec tonneau. Ah mais c'est l'entrée d'un château en fait celui-là. Bah oui, en même temps, Dragon Slayer, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce que... Bah ça veut dire le nid du dragon, hein, ça veut pas dire château. Le repère du dragon. Oui, le repère du dragon. Tu t'attendais à ce que ce soit quoi? Le repère des licornes? Tu t'attendais à tomber sur Twilight Sparkle? Ok, d'accord, j'arrête. Ah, je suis mort. J'aime bien l'animation par contre de mort. Ouais, l'animation de mort est bien. Mais on le va jeu recommencer. Est abominable. Mais on peut jouer en deux players? On peut jouer en deux players ou... Ouais, on va jouer un seul joueur, c'est bon. Bon, viens, on va sur le niveau des mots de passe. Juste pour voir alors. Je juste sais pour pas à la musique. Ah, je me souviens de ça, il faut taper. Il faut taper. J'ai perdu la boule! Je peux plus avancer dans le niveau des mots de passe et maintenant je perds la boule! Et après, tu fais quoi? Ah, mais c'est la version américaine ça! Ah bah oui. Bah oui, parce que dans la version européenne, c'était littéralement dans l'eau à pousser les boules. Oui, c'est ah, bizarre ça. Ah ouais, ok, oui, bah oui. Du coup, oui, c'est pour ça que j'ai la version américaine. Donc du coup, on n'a pas le mot de passe, le niveau de mot de passe normaux. Eh bah, je me dis, j'ai la version européenne alors. Meanwhile. Bien, voici nous voilà sur la version européenne du jeu, qui d'ailleurs apparemment est en français. Alors tiens. Oui, là, c'est bien différent là. Je sais pas, il y a écrit sur la ROM que c'est écrit, c'est en plusieurs langues. Oui, et c'est en plusieurs langues.
Y'a pas de son. Ah, c'est bon. Alors, au niveau des mots de passe. Bon, alors du coup, on va dans les mots de passe. Le jeu est en français, je ne savais même pas. J'adore cette musique. Ah oui, d'accord, ok, effectivement. La musique, c'est vrai que le niveau des mots de passe a l'air dur, mais la musique, je l'aime regarde, bien. Regarde, on a déjà perdu la boule. Ah non. J'ai perdu ma boule. Oh putain, mais ça doit être une horreur pour marquer les mots de passe. Mais JDI a raison, un écran de mots de passe, ça doit être simple. Là, c'est de la merde. Tiens. Mais je suis coincé. Ah non. C'est quoi cette merde? Bon, allez, on va arrêter les conneries. Oui. Là, tu peux mettre pause aux écrans de mots de passe. D'accord. Alors, attends. On a vu à quoi ressemblaient les mots de passe. Par contre, les sauts, ils sont chelous. Oh, comment ils sautent. On va se casser. On peut se casser. Oui, c'est là-haut. Me saute. J'ai cru que... Bon, on se casse. On va donc aller jouer à la version européenne de Dragon Slayer. Let's go. Ah, c'est ma vape. T'as un problème, toi? C'est ma vape. Sérieux? Il n'y a même pas de bouton pause. Ah si, mais c'est select pour la pause, c'est con. Cassez-vous. Bon, on va faire quelque chose de bien. Descendons là. Ici. Ah, j'avais pas vu. Il n'y a même pas d'animation quand il descend. Au revoir. So. Bon, nous allons enregistrer le téléphone dans notre journée. Le téléphone. C'est un drone. Il y a Donkey Kong qui est en train de nous casser les couilles, hein. Ah, sens. Ta mère, toi, là-bas. Le conseiller pour l'emploi, comme dirait le joueur du voyage dans sa vidéo. Bon, on va essayer d'aller un peu loin quand même parce que on n'a pas réussi le début du niveau parce que c'est assez dur, hein. Donc le jeu, il est dur. Juste aussi parce qu'on est nul, mais faut pas le dire. C'est quoi ce truc là? Je sais pas. Merci toi. C'est quoi? C'est un ballet de Fantasia ou Attends, y'a le même truc qui m'emmerde là. Ça se trouve, on va tomber sur Chernabok. Ah ouais, c'est. Triangle, tu tapes, X et B, tu... X et B, tu voilà. Putain, par contre... Saute! Y'a pas une loi qui interdit les inattentifs volontaires d'être des trous du cul? Bon, on va arrêter de reprendre toutes les répliques du JDG, parce que c'est vrai que... C'est pas... On recommence! On zappe cette cinématique de... Pour une fois qu'on peut zapper une cinématique. Pour une fois. Tiens, commence. Ta mère, toi. Toi aussi, là. Regarde, là. Allez, dégage. Dégage. Alors oui, le but c'est de pas tomber en fait, hein. Ah. Ok. La musique est chouette. Oui, il y a rien à dire. La musique elle est chouette en fait. Non, le conseiller pour l'emploi. Et puis l'autre comme il gueule quand il se fait mal. Parce qu'on va dans Monstre et Compagnie. Pourquoi Monstre et Compagnie, je pense. Parce que c'est un peu le même cri. Oui, mais dans quelle scène? Genre, est-ce que j'arrive pas à visualiser là? Non, mais les scènes au début là, la simulation, oui. C'est un peu le même cri que Bill fait. Je suis débile. Monsieur Bill, c'est ça?
Allez, casse-toi. C'est bien. Oui, on dirait un peu les ballets de Fantasia, ça. On va tomber sur Chernabog, ça se trouve. Voilà, on essaie d'aller un peu. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis mort. Je sais pas, ça devait être le... On a perdu. Ça devait être le chevalier noir, un truc comme ça. Bon, ça sert à rien qu'on aille plus loin. Non. Oh non. Allez, vous savez quoi, les amis, si jamais on est à moins de 25 minutes. Bonus sur Dragon Slayer sur Game Boy. Allez, on est parti. Bien, bon, alors là, l'image est différente. Bah, on est sur Game Boy en même temps. Non, ça devrait être en 4 tiers, l'émulateur, il pue la merde. J'ai l'émulateur de Game Boy quelque chose, là. Je ne l'avais pas configuré en plus. Mal configuré, même pas. A few moments later. Là, on est bon. Alors, comment qu'on joue? One player, two player. Bon, je fais une game en two player, écoute, allez, vas-y. Maintenant, on n'a pas de manette, on est con. Alors, non, c'est du coup. Chacun son tour normalement. Oui, mais avec deux manettes. Alors, ah bah non, après non, pas avec des manettes, non je suis con parce que vu que... Non, vous connaissez sur Game Boy. Oui. Voilà. Du coup, celui-là, pour ceux qui le connaissent pas, en gros vous devez ramasser des espèces de cubes là. Les cristaux. Oui, c'est des cristaux. Tiens, player 2. Comment je suis mort? Aucune idée. Mort dans les pics peut-être. Ah, je suis mort moi aussi. Je sens qu'on va bien s'amuser. Je sens qu'on va bien s'amuser. Moi aussi. Bon, j'ai sauvé. Alors, bon, je vais éviter de reprendre les gags du GDG, de la vidéo du GDG. Mais ça, c'est vrai que c'est con ça. Tu marches littéralement sur la typo des lettres, à la typo du panneau quoi. C'est complètement con. Et c'est... Ça donne de la merde quand même. Là pour monter à ce truc là, mais c'est insupportable. Allô le jeu, ta mère. T'es mort? Mais pourquoi? Ok. Ok, why not? Ok, ok. Attends. What the fuck? Putain mais, mais ce jeu il est chelou, en plus il est moche. C'est vrai que c'est pas beau. En plus c'est moche. On a gagné, on a perdu, c'est bon, game over s'il vous plaît, j'aimerais bien arrêter la vidéo, arrêter de ce jeu de merde, il va me rendre fou. Il est pire que la version NES. Même là, au moins la version NES elle est rigolote quoi. Mais là c'est quoi cette horreur de merde? Là c'est nul, y'a pas de fun. Comment tu peux t'amuser? Comment les gens sur Game Boy pouvaient s'amuser en jouant à ce jeu là? Et du coup on aurait pas game over par... Non mais putain, d'autant plus qu'on s'est trompé. Player 2 ready, c'est toi le player 2. Y'a un train, à vous souvenir de ce la truc. On est perdu. On est en train de devenir complètement fou là. Get ready, d'accord, ok, super, on adore. Ça marche. Ouais, on est sur une plateforme. Putain, faut donc les récupérer ces merdes là. Mais comment tu fais? Mais ce jeu est impossible. J'arrive à visualiser le gamin qui balance sa Game Boy par la fenêtre parce que le jeu est trop dur. Non mais attends, il faut visualiser le truc là. C'est pas possible, comment tu fais? Comment tu veux toutes les récupérer les merdes là? Mais comment tu veux toutes les récupérer pourquoi tes merdes du bug? On peut avoir Game Over s'il vous plaît? Le jeu a crash? Non, c'est moi qui ai... Tu sais, comme tu disais, tu cliques sur Start et après sur Select. Ah oui, c'est vrai. Allez les amis, on s'arrête là pour cet épisode sur Dragon Slayer NES et Super NES et Game Boy. Allez, c'est parti, on s'arrête. Bon, ce fut un épisode... C'était de la grosse merde. Non, l'épisode était sympa. Pas l'épisode, les jeux étaient vraiment à chier. Et,
Vraiment, les Dragon Slayer, c'est vraiment des jeux à éviter. Hein. C'est vraiment. Nous, on joue, on sacrifie parce que c'est pour vous montrer qu'il faut pas jouer à ce genre de jeu. Faut pas jouer à ce genre de jeu, c'est pas bien. Non, c'est. Testez-les si vous voulez, parce que nous, on les a testés hein, quand on a vu les joueurs du grenier et tout. Nous, on voulait tester les jeux. Moi, j'avais testé presque tous les jeux que JDG faisait, genre Metal Gear Solid sur NES. C'est Metal Gear, pas Metal Gear. Oui, Metal Gear sur NES, j'ai testé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tortue Ninja, j'ai testé. Tortue Ninja. Faudra qu'on le fasse, Tortue Ninja sur NES. C'est prévu, on va le faire. Bref, les amis, merci d'avoir regardé cet épisode de Café Retro. Le prochain épisode spécial, une heure d'un jeu spécial. Là, t'afficherais un gros 50 d'ici. Et j'ai quelques petites idées pour cet épisode au début, alors faire une petite intro, vous verrez bien quelque chose d'assez sympathique. Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour le 50e épisode. Rendez-vous effectivement la semaine prochaine pour le 50e épisode de Café Rétro. D'ici là, portez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu, eh bien like, partage, abonnement, vous connaissez la chanson. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Conan Retro et celui de Nintendo. Bye tout le monde. Et surtout n'oubliez pas.